Bonjour à toutes les gamers, bonjour à tous les gamers. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal là. Je vous présente cette vidéo. C'est pour avoir l'arc bleu amélioré. Et je vais vous montrer, il fait mal aussi. Regardez, une flèche. Et il n'y a plus personne. Ils sont plus que 3, regardez-les. Mais je vous en dis pas plus et vous explique dans cette vidéo comment faire pour avoir cet arc. Voilà, pour enclencher cette quête d'amélioration, il vous faudra activer dans l'ordre 4 tableaux. Donc il y en a un là. Le deuxième, il est là. Quand des armées s'affrontent, les hommes se noient dans un océan d'armes. Telle est la réalité de la guerre. Le troisième est ici. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Et le quatrième tableau se trouve juste là. Voilà. Donc les activer dans l'ordre, hein, si vous avez par l'ordre, recommencer jusqu'à trouver l'ordre. Donc une fois ces quatre drapeaux activés, il vous faut vous rendre ici. Voilà. L'aboiement d'un chien. Et récupérer cette pièce qui va vous permettre de commencer votre amélioration. La première étape de votre quête d'amélioration consistera à aller tirer un drapeau hors map. Donc pour cela, il faut se rendre au téléporteur et se le téléporter à côté de la fusée où il y aura un drapeau. Impossible de savoir ce qui se passera quand là-haut. On voyait autre DMC. Peut-être que Richtofen lui dévoilera ses dessins. Voilà. Vous voyez la première étape. Donc la pièce elle va tomber. Vous la voyez là-bas. Donc il vous faut la récupérer. Non, t'as quand même pas utilisé tes dents. Voilà. Une fois que vous l'avez récupéré. Petite explosion. Petit succès. Vous pouvez aller vous rendre dans la salle des Templiers pour aller la poser sur votre écran. Donc là il n'y a pas les chiens, là il n'y a pas les chiens, ils sont là. Dès que vous déposerez cette flèche, un chien apparaîtra. Il vous faudra alors le suivre à la trace. Une fois que le chien est sorti, il vous faudra le suivre. Suivre le chien. Il va s'arrêter à quelque endroit dans la map. Donc ici, vous voyez là, il va gratter cet os. Trouver des os. Donc il va falloir tuer du zombie à proximité du chien pour charger ce trou. Voilà, une fois que vous avez assez chargé, le chien vient gratter les os. Donc vous pouvez ramasser ça. Et suivre encore le chien qui va répéter la même opération. Il va s'arrêter. Voilà. Il a retrouvé un tas d'os. Il va falloir encore nourrir ce trou.
des flèches explosives. Carreau russe explosé. C'est comme ça qu'on fait tout exploser en Russie. Voilà. Donc vous pouvez ramasser les deuxièmes Tados. Et on continue à suivre le chien. On va où il va. Le troisième tas d'ossements est détecté. Une flèche, un tir, des morts. Nicolas est le vainqueur. Voilà, une fois les trois os ramassés, vous avez validé l'étape 2. Les explosions ne sont rien. Et la troisième étape consistera à tirer sur un mur en apesanteur. Donc je valide la manche de l'apesanteur et je vais vous montrer où c'est qu'il faut tirer. Il faut tirer exactement 3 flèches. Voilà, 3 flèches. Vous avez vu la plateforme semi. On va pouvoir y grimper dessus. Voilà. On remet tous les tas d'os qui nous donnent notre flèche. Voilà, donc cette flèche, comme pour tous les arcs, il va falloir l'amener là et tuer du zombie à côté. Voilà, une fois qu'il est chargé, vous activez comme ça, un faisceau lumineux arrive et vous avez votre nouvel arc amélioré. Voilà, celui-là est bleu. Sur ce, je vous dis pas plus et vous laisse profiter de votre journée ou de votre soirée et vous dis à plus. Bye. Thank you.